Et salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un épisode qui sera pas comme les autres, assez court je pense. Qui est pour cette quête étrange qui m'a été donnée, prisonnier de l'amour, où il faut parler au portrait d'Eldritch Grigori dans notre salle commune. Allons aussi de ce pas. Vous vouliez me voir, monsieur ? En effet, permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis désormais. Eldritch Grigori, ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des Aurores. Enchanté. Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages ? Nous autres, portraits, entendons bien des choses, et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous ? Une pouffe souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice depuis si longtemps. Je ferai mon possible. Merveilleux ! Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Ma petite nièce, Hélène Thistlewood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore. Oh, on va rencontrer une aurore. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. Je rends souvent visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue ? Je vais aller la voir tout de suite. Super ! Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit, sauront lever le voile sur ces deux mystères, j'en suis persuadé. Je vous retrouverai là-bas, très vite, je l'espère. Donc on doit aller à Campolar en haut. C'est ouf. Alors, on va devoir se téléporter, prendre une flamme de cheminette pour aller à Priolar. Parce qu'on va pas faire tout le chemin à patin. Je ne suis pas fou, encore. Priolar, me voilà. C'est quand même beau, on a parlé à un portrait à des ancêtres de Cédric Grigori. Pourquoi je ne dis Grigori tout le temps, je ne sais pas. J'ai des difficultés à prononcer ce nom de famille, je suis désolé. Donc on doit aller à Priolar en haut. Il va y avoir un peu de trottin. Hein. Ah. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé au champignon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une bonne question. Encore une foreuse ? C'est bizarre. Pourquoi il y a des foreuses ? C'est pas, en tout cas sur la boussole ils disent qu'il y a des ennemis. Guerrier des fidèles. Ça a l'air d'être des gobelins. Expandu, elle tue une araignée en flamme pour la faire exploser. Par contre, il y a quelque chose d'intrigant ici. Allô, une icône bizarre. C'est quoi ? Ah! Oh! Réveillio! Alors, suis-je sur le bon chemin, je suppose? Ah, oui! Oh! Un nouveau masque. Ah oui, quand même. Ah, il est, va-t-on dire, spécial. Et j'ai aussi... Ah oui, j'ai eu ça. Okay. Moi, je préfère mon poignet de baguette. Elle est plus belle. Sympathique, ça. Sympathique, ce petit easter egg. Bah, parce que je suppose que c'est un easter egg. Parce que... Le labyrinthe, c'est dans la coupe de feu. Peut-être un petit historique, en effet. Ah, ça doit être l'endroit mentionné par le ministre Grigori. Hélène doit vivre quelque part par ici. Cheminette. On dirait que ce lieu sort tout. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Comment on rentre dans cette maison ?
évidemment, j'ai fait tout le tour. Ah ouais. Allons-y. Ah, vous voici. Je suis ravi de voir que vous avez suivi mon conseil. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'aurore. Très bien, je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. Ah oui, Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Une Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible, mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins dédaléen. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure. Il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve ? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin, tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous ? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Peut-être que si vous alliez parler à Anne... En tant qu'élève et en connaissance des pages de Shuka, elle vous révélerait d'autres informations. Attends, on va aller à Azkaban ? Oh ! Oh ! Ah ! J'ai toujours voulu voir Azkaban. Comptez sur moi. Je suppose que c'est un endroit intrigant. Mais cela peut être terriblement traumatisant. Il faut le dire. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Nous pouvons transplaner juste devant elle. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Oh oui. Oh oui. Pas besoin de questions, d'autres questions. Allons-y. Nous allons transplaner ensemble. Allons-y. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désarticulé personne. Je suis rassuré. Prenez soin de vous, surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. On va aller à Azkaban. Ah, je suis tout... Ah, c'est des frissons. Des traqueurs. Attends, j'ai pas de Patronus. Je vais peut-être le faire. Non. Oui. Non. Non. Oui. Oh, trop bien. Cela devrait les tenir à distance pour l'instant. Mais prends. Oh, je suis. Tu peux être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Les détraqueurs ne nous feront pas de mal. On est à Azkaban. Ah, je n'aurais jamais imaginé entrer dans Azkaban un jour. Maudits détraqueurs. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Attention à... Nul besoin de tels monstres. Depuis bien plus longtemps que nous. Ils ont l'air tous fous à cause des détraqueurs, c'est horrible. Vous ne me faites pas peur, jeune roquet. On vous enseigne si peu ce que vous devriez savoir à Poudlard. La sorcière. Jurez-vous, on a des traqueurs qui nous suivent. Je le sens. L'obscurité est tout autour de moi. Ma seule amie.
mon seul refuge. Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les Détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Êtes-vous Anne ? Qui est là ? Qui me parle ? Est-ce la mort venue me délivrer ? Je suis élève à Poudlard. J'ai trouvé le livre censé vous innocenter. Ah, le livre, le livre ! Personne n'a voulu chercher, aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin, capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Camp Polar en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Camp Polar en haut ? Camp Polar, là ! Les ruines cachent un caveau. Un caveau, dans des ruines, près de Camp Polar en haut ? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien, risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Qu'y a-t-il, Anne ? Oh non. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous êtes blessé ? Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais me rétablir dès que... Ok. Très mais étrange. Madame Thistlewood, je... Oh, très bien, je la trouverai. Je trouverai la grotte de Shuka. Je devrais regarder ça de plus près. Alors, oh, il a l'air d'avoir une page. Ok. On va suivre le chemin. Jump. Alors, pas ici. Ce doit être l'endroit dont m'a parlé Anne. Personne n'est venu depuis une éternité. Revelio. Un puzzle. Oh, attends, je suppose que c'est Expelliarmus. Ah non, c'est bon. Incendio. Comment on fait pour passer ? Leviosa. Revelio. Ah ! Comme ça, ok. Ah non, c'est parce que j'ai essayé de bouger. Ok. Un coffre. Revelio. Toile d'araignée. Oui, je peux passer, ok. Donc là, c'est que ça va... Ça veut dire que c'est que les bleus. Revelio. Oh, ça a fait quelque chose. Ah, Revelio, c'est quand même un chouette son. On ne m'arrête pas comme ça, Shuka. Bien, où se trouve la preuve que vous avez laissée ? Un mot de Shuka. Anne ne l'a jamais trouvé. Mais alors, comment est-il mort ? Était-ce vraiment sa faute ? On va quitter le caveau. Ça m'intrigue. Moi aussi. Ah ! Serait-ce possible ? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme ? Je vous félicite. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka ? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années. Vous me devez des explications. Vraiment ? C'est mon énigme que vous avez résolue. Que faites-vous ici ?
Hélène Thistlewood, une aurore à la retraite, m'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Peeves. Ensuite, Anne a évoqué une grotte. Vous avez vu Anne ? Elle m'a brisé le cœur. J'ai dû continuer sans elle. Elle a fait le bon choix, finalement. Oserais-je vous demander comment elle va ? Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre. Je crains que les détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles. Pardon ? Azkaban ? Oh, pauvre Anne. Je n'en savais rien. Je croyais qu'elle m'avait rayé de sa vie. J'ai voyagé dans le monde entier pour réparer mon cœur. Je ne suis revenu que récemment, sur un coup de tête. Je dois parler à l'aurore que vous avez mentionnée pour voir si je peux aider Anne. Excellent. Avant que vous ne partiez, pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages contenant la carte mentionnée par Hélène ? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte quand j'ai perdu la tête. Elles doivent être en train de moisir à côté de mes restes. Je vais vous dire. Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite et je vous emmènerai là où elle se trouve. Merci. Je dois trouver ces pages pour aider un ami. Je vous retrouverai là-bas. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Bon, on va continuer. Moi qui voulais faire un épisode court. À l'autre côté de la forêt interdite. Après, on ira faire cette mission là plus tard. Alors, pour la carte, forêt interdite. Évidemment, on va abuser des flammes de cheminette. Hein. Ça paraît logique. Mais d'abord, j'ai vu qu'on avait un défi. On avait réussi un défi. Non ? Oui ? Ah. Ça. 5 explorateurs duels. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être compliqué. Oh, les explorateurs duels. Oh, j'aime pas ça. Allons-y. Donc, la forêt interdite. Oh, des gros. Enfin, de l'eau, des canyons plutôt. Regardez ça, ça baguette. Près de soi, hein. Champignons sont eux. Tout le temps de fouiller plus tard. Ah oui, la nuit en plus, super. Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un pouf-souffle aurait la patience de retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Bah bravo. Je ne devais pas être un pouf-souffle à ça avec toi. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il d'autres choses auxquelles je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oh, des araignées. Pourquoi ? Pourquoi le jeu ? Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Je ne veux pas croiser d'araignées. Je n'aime pas les araignées. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Ah,
C'est oppressant la forêt interdite. Normal, hein, mais... Ah, voilà cascade. La cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Ah tiens, ça me rappelle Fable, ça, ce qu'il y a là. En plein milieu, je suppose qu'on va pouvoir plonger. Ah, fouiller. Bingo. C'est comme dans Fable, ça, tu vois. Mais... Peut-être que c'est une référence subtile, je ne sais pas. Rébellion. Je ne sais pas... Bébête. Ah, elle me fuit. Elle court bizarrement. Bon. Continuons. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard. Ce serait pas ici que... Ah, déjà... On dirait une pancine. Mais ce serait pas ici que... Que dans Harry Potter, il y a eu l'attaque des Deathrakers et qu'on a vu le Patronus d'Harry pour la première fois. Hmm. Ah, celle-là. Intramuros. Pas vraiment une grotte ça, c'est plus un portail on dirait. Hmm. Bon, allons-y. Ah. Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Alors, allons-y. Hein. Entrée tombeau de Shuka. Intéressant. Je me demande si c'est grand. C'est pierre de lune. Cet endroit. J'ai cru voir quelque chose, oui. Je me disais... Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Oh non, des araignées. Et en plus, y a pas de mode arachnophobe, je crois. Ah. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je me demande si mes sorts vont m'aider à passer. Rébellion. Oh putain, les amis. Tu meurs. Quelque chose là, oui, il y a un coffre au fond, avec plein d'araignées. Pourquoi le jeu est si méchant avec moi? Ah, c'est cool ça, prend. Ah.
c'est bien, pardon. À la fin, mais bon, pas de choses à récupérer ici. Ah, en plus, c'est un gros coffre. Ah, un chapeau de soleil sombre, une tourie donc légendaire. Oh, on dirait le chapeau de, du prof. J'aime bien. Continuons à avancer. Je me demande si je peux déplacer cette plateforme. Bon, c'était sûr. Ah, je les ai déjà tués. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de faire. Alors, il y a quelque chose ici, oui, un coffre. Et des galions. Un coffre intact ? Oh. Richard Chouka n'a pas fouillé. Par contre, d'avoir que des jupes, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu vieillot, quoi, si on peut dire. Ah, des dictames, ça. Oh. Continuons à avancer, hein. De toute façon, je suppose qu'on va devoir pas de plat d'araignée. Oh, mais regardez-moi ça, aujourd'hui. J'en suis capable aussi. Bon, vous aurez compris, j'aime pas les araignées. Donc là, il y en a un. Cache là des gagnants, évidemment. Comment on dit, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. J'espère que c'est la vérité. Si elles ont l'air très grosses, ces araignées. Aïe. Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. Rébellion. Action. Ouais, il y a l'air d'avoir un coffre. On va le chercher. Il va y avoir des araignées. Ah non. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Non, il y a quelque chose. Ah bah oui, il y a un coffre. Incendio.
réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais ouais, 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 ça, ça m'inspire pas confiance, on va pas aller par là. Oh, bordel. Ah, je suis quand même obligé d'y aller, fuck. Il y a un gros coffre là-bas. Bon ben on va y aller, hein. J'aime pas ça. J'aime pas rater des choses. Donc je vais y aller. Mais il y a l'air d'avoir des gros nids. Des araignées, j'aime pas ça. Trop d'araignées, tu les araignées. Pas de squelette sans tête en vue. Par contre, j'ai vu que j'avais une fourgon. Ah, pas de mon niveau, super. Ok. Et j'ai aussi ça. Ouais, non, je préfère quand même celle-là. Allons-y. Servir ici. Ah, je suis obligé de retourner en arrière. Ça, c'est pas ouf, par contre. Ah, cette vidéo va être longue, je le sens. Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Je me réjouis que Richard Chouka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Oh, courageux. Ok, on va le faire. Hein. Ah, c'est pas là en fait, sûr. Ah, je cours en arrière, chouette. Je commence à être ouvert, hein. Ah. Un coffre, un deuxième coffre. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Il y a un coffre ici, il y a l'air. Avec des gants.
Et des galions. Je l'ai ouvert avec ce coffre, je crois. Oui. Ok. Et je suppose que du coup, c'était pas ici qu'il fallait aller. C'était juste du bonus. Ok. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées ? Il ne peut pas avoir décapité du Sharjuka. Je pense à me débrouiller. Hein. Oh non, oh non. Oh, des grosses araignées, mais pourquoi? Pourquoi le jeu? Pourquoi t'es si cruel avec moi? Ah oui. Ok, ok, ok. Ah oui, ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Sugar. Non, il n'a pas peur des araignées. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je suis sûr, évidemment. Pas du tout. Ah, évidemment, il y a des soldats derrière la porte qui a l'air. Ce jeu veut ma mort, je vous le dis. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Sugar se serait intéressé à ce butin, mais je ne vois aucune trace de lui. Réveillon. Bon, continuons. Je ne dois plus être très loin du corps de Richard Sugar. Ça doit être ça. Et de ses pages. Attendez, il y a juste un coffre. On se retrouve, Richard Sugar. Merci d'avoir protégé ces pages du roi. Tenue d'élève majestueuse. Je dis pas non. Ah, elle est belle. Oh oui, elle est belle. On va la garder. Et on va enlever les gants. Parce que je trouve ça pas si beau que ça au final. Quoique. Non, on va rester sans. On est une aventurier hier. Bon, bah, on y va. La voilà. La carte qui a mené Sugar à sa porte. Attends, du coup. Les épées. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Bah c'est ces messieurs-là qui l'ont décapité du coup en fait. Oh, plus gros, super. Bah tu sais quoi,
tu meurs. Non, il y en a deux. Ah, ça je peux pas. J'explose comme ça, voilà. Voilà. Réveillio. Oh. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je peux pas avancer? J'ai déjà vu ça. À Gringotts et à la réserve de la bibliothèque. Ah. Ah. La salle est en train d'être inondée. Ah. Qu'est-ce qui nous protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Endroit. La trigo. Des portraits. Des portraits. Oh, Sylvain Rackham ? Serait-ce possible ? Donc, évidemment, il faut s'approcher. C'est vous ? La salle de la garde a enfin été découverte ? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge qu'Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entré à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Oh. Oh. 10 points. Bon, on va prendre ça. Débloquer des endroits de sort. Alors, Incendio. Furtivité. Attends, salle sur demande ? Oh, ça veut dire qu'on va la débloquer peut-être. Oh, oh, ça prend, c'est bien ça. C'est du coup. Ah mais je suis con, j'aurais pu les utiliser depuis tantôt. Bordel. Ça va être important ça. Ok, ça c'est important. Ça c'est aussi important. Ok. On va réfléchir par la suite. Hein. Et on va se retrouver donc pour un prochain épisode. Mais d'abord, avant ça, on va juste sortir de la salle de la carte.
pour compléter cette quête. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Oui. Intéressant. Salle de la carte. Je suis revenue à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Et on va se quitter là-dessus. On se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ainsi que de la commenter si cette dernière vous a plu. À plus tard, ou à la prochaine.